Donc, monsieur le procureur, quelle est l'originalité de cette affaire? Deux éléments qui sont originaux. Tout d'abord, bien sûr, le butin, puisque c'est pas fréquent, effectivement, que des malfaiteurs veuillent s'en prendre à un commerce de philatélie. Donc, avec, vous l'imaginez, certaines difficultés peut-être pour écouler ensuite le butin. Et puis, deuxièmement, la personnalité des deux personnes interpellées, qui sont manifestement des individus chevronnés, avec un lourd passé pénal pour l'un et pour l'autre.